Emmanuel Durand. Avec le trampoline, nous allons prendre de la hauteur. Emmanuel Durand, l'un des meilleurs juniors du monde, qui nous exécute là une série de saltos avant, de vrille. Superbe. Oui, il a grosse difficulté avec ce trampoline. Vous le savez, c'est enchaîné un maximum de difficultés à la suite. Et on vient de le voir avec ce champion du monde junior français. Au passage de conclusion. Et là, on peut apprécier l'élévation de la tête sur ce trampoline. Vous savez que le mouvement ne dure qu'une trentaine de secondes en compétition. Et dans ce temps imparti, eh bien, il faut bien évidemment réaliser le maximum de figures. C'est ce qu'a fait réaliser Lionel Pioline pour devenir champion du monde. Alexander Moskalenko, le tenant du titre, le formidable Moscovite. Oh. Oui, une succession fabuleuse. Le meilleur trampoliniste, puisqu'il faut les appeler comme cela. Regardez cette hauteur atteinte à plus de 8 mètres. Alexander Moskalenko, donc champion du monde trois fois. Mieux que Pioline. Il a réalisé, je crois, le record du monde avec le maximum de figures dans un temps imparti. Exceptionnel, donc, Alexander Moskalenko. Et ça continue. Fabrice Hénik, quatrième des derniers championnats du monde pour l'équipe de France. En l'absence de Fabrice Schwerz, champion d'Europe, eh bien vous avez pu apprécier donc quelques-uns des meilleurs moments de cette évolution en trampoline. Voici le junior, toujours lui, champion du monde junior, Emmanuel Durand. Il faut prendre une certaine hauteur, retomber au milieu du trampoline pour pouvoir démarrer son évolution. Une série de chandelles pour se placer, un salto arrière corps tendu, un double avant demi-tour corps carpé. On va peut-être voir le ralenti. Préparation réalisée par Emmanuel. Et bien entendu, mesdames et messieurs, la signature de cette démonstration est révélée à Alexander Moskalenko. De Krasnodar en Russie. Voilà ici le double avant demi-tour. L'impulsion, demi-tour. Salto avant, demi-tour.